Nous aimerions, s'il vous plaît, connaître un petit peu les coulisses de cette ville, puisque nous sommes nouveaux, nous sommes deux étudiants en droit. Moi, j'ai vocation et inspiration pour devenir avocat, et si je peux gérer quelques affaires en tant que stagiaire, il n'y a aucun souci pour pouvoir vous défendre en tant qu'avocat. D'accord. Vous êtes... Je me présente. Moi, je suis vigneron, moi. Ah d'accord, mais je me présente avant. Ouais, présentez-vous. Baptiste Vervès, maître plus connu sous le nom de assistant, c'est-à-dire maître Vervès. D'accord. Vous avez un vilain zone derrière vous, il s'est exprimé, c'est un sinois. Bonsoir monsieur. Oui, je suis un gilet jaune, je travaille à vigneron avec mon collègue justement. Vous savez que les sinois travaillent très très bien, c'est des personnes très sérieuses. Ah non, je suis pas chinois. Vous êtes raciste? Oh, foutez pas de ma gueule, hein. Bon. Comment ça? Et il va se calmer, le Québécois, là. Tabarnak, qu'est-ce que tu veux, là? Va t'enculer avec du sirop d'érable, là. Les gars. Waouh, pour sauter là, on en arrive pas. C'est bon, oh, c'est what bon. The fuck. Si vous bougez pas dans le 3. C'est bon, oh, j'en bouge. C'est bon, allez, on bouge. Bonjour, maître. J'ai appris à parler dans mon... Ah, c'est un bon toutou, ça. Oui, comment monsieur, tu vas, Ivanor? Il faut prendre un véhicule pour que je monte à l'arrière, monsieur, pour être votre chien. Ouais, bah vas-y, suis-moi, Ivanor. Attendez, Ivanor. Passe vite. C'est un bon toutou, ça. T'as fait un bon toutou. Monte, toutou, dans le véhicule 4 places. Monte dans le véhicule 4 places. Très bien, toutou. Montez dans le véhicule. Ah bah voilà, il a forcément senti des odeurs, il a fait que ça venait d'ici. Vous êtes qui? Bonjour monsieur, nous avons des billets, nous cherchons notre ferry, nous devons aller sur la côte. Calmez-vous, c'est bon, c'est étranger, c'est un Mexicain, il ne fera rien de mal. Monsieur s'il vous plaît, pourquoi vous me manquez de respect? Je vous en simplement des informations concernant le ferry, je suis attendu. Eh ben prends-le ton ferry. Oui, mais il se trouve où? Parce que vous avez une dégaine à travailler ici, monsieur. Vous êtes invoqué, eh ben regarde, là. D'accord. Non, ici c'est un paquebot qui envoie des conteneurs. Eh ben alors. C'est un bateau de marchandises, monsieur. Vous foutez de ma gueule. Vous n'avez pas des informations, soyez honnête avec moi. Non, je travaille mais pas toutou, ici. Mais toutou, revenez ici. Faites pas de mal. Je sais, c'est un Mexicain, il sent ta. Ouais, je suis Mexicain, ouais. Non, je fais des faritas, y'a quoi? Monsieur, ça se sent sur vos épaules. Non? Oui, je sais. T'as faim, t'as vraiment faim? Ok, bah si tu veux, je vais préparer des faritas, hein. Il a faim. Alors vas-y, bouffe coucouille. Allez. Attaque. Attaque coucouille. Ça fera des jolies boulettes. Ça fera des belles faritas. Plus la tête de son pote. Il a. Attaque. Allez, attaque. Attends, au pire, on le laisse. Allez, qu'on y laisse. C'est bon, monsieur. C'est bon. Bien. C'est bon. Bouffe coucouille. C'est bon. On se calme. C'est bon. Ça va lui servir pour ses faritas, les boulettes. Allez, on y va. Ah merde, y'a un gang, c'est arrivé. Monsieur, bonjour, monsieur. Tu bouges plus, les branleurs. Putain, dépêche, tu bouges plus. Tu bouges plus, les branleurs. Je suis en train de faire une balade avec le chien. Je m'en fous. T'as quoi sur toi? Vous restez tranquille, vous en faites pas, papa. Je m'en bats les couilles, je vais les buter. Non, mon chien! Alors, non, ne butez pas! T'as quoi sur toi? J'ai simplement des cadeaux. T'as quoi sur toi? Absolument rien, c'est simplement un billet de bateau. Un billet de bateau, c'est simplement pour prendre la rive. C'est simple. T'as combien? Arrête. Bon toutou, ça c'est un bon toutou. Voilà, ça c'est des racailles, il faut les régler, ça, quand ils font mal au papa. Alors écoute-moi bien, fils de pute, voilà. C'est ce que tu mérites. La prochaine fois, tu réfléchiras deux fois avant de t'en prendre un membre du gouvernement. Tranquille, mon ami. Bonjour monsieur, j'ai reçu un signalement, désolé. Veuillez m'excuser, je dois absolument faire une livraison. On m'a demandé de venir ici. Apparemment vous êtes... C'est vous, papa Boba Diop? Vous êtes noir, c'est vous? C'est vraiment pas moi, man. Si on m'a parlé d'un... Vous êtes pas... C'est vraiment pas moi, c'est pas moi. Moussa Mbami, c'est pas vous? Vous êtes noir? Non, non plus. Vous êtes dans le signalement, c'était un noir avec une casquette à l'envers, c'est bon, ça ira très bien. Et c'est quoi le signalement? Vas-y. Le code, c'est code Bamboula. Je répète, code Bamboula. Je vous livre la marchandise, c'est bon, je m'en vais. Vas-y, casse-toi, vite. C'est bon. D'accord, c'est bon, je m'en vais. Vas-y, casse-toi, allez. On n'est pas à l'abri, attention. Oh, putain, il y a un sanglier juste derrière vous. On se fait agresser. Cours, casse-toi. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, tout de suite, les animaux, on n'agresse pas les gens. Laissez-moi tranquille, je lève les mains en l'air, regardez, je vous fais pas de mal. Allez, je vais essayer d'aider cette personne, laissez-moi tranquille. Elle ne vous a rien fait. Bon, ça c'est un bon sanglier. Bon, tout est bon dans le cochon, c'est un bon cochon ça.
Allez, écartez-vous si vous m'entendez, je vais essayer de vous aider. Voilà, on a voulu faire malin. Écoute-moi bien, fils de pute, si tu m'entends. Tiens, prends ça. J'avais un collier à t'envoyer, on m'a demandé de venir ici. C'était le signalement. Tiens, prends ça. Prends ça, petite couille. Il y a des étrangers qui viennent d'arriver en Zodiac ici. Vous savez que vous êtes obligé de signaler votre présence au commissariat, monsieur, parce que c'est interdit de venir ici. Vas-y, dégage de là, oula. Qu'est-ce qu'il me veut, la rabatzoie? Bref, vas-y, s'il te plaît, pars. Monsieur, s'il vous plaît, je suis un client comme tout le monde, je suis blanc et fier de l'aide, je vais simplement acheter des masques. Maintenant, vous arrêtez de me parler sur ce ton, je suis avocat. Oh, ferme ta gueule. Non. Arrête, dégage. S'il vous plaît, arrête. Est vite arrivé. Rêve-toi, je suis connais. Agressif avec les vents comme ça, vous. Ça a donc un rapport à voir avec les veines ou quoi? Je connais ta voix, là, comme ça, me casser les couilles. Laisse-moi tranquille. Nous sommes attaqués par des extraterrestres! Ah mon dieu! Ouais, c'est notre rachat. Il l'a réagi! Ah mon dieu, mais j'ai rien fait! C'est solide! Un rabat-soi, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Aidez-moi! Sérieux, ces fils de pute! S'il vous plaît, pourquoi les extraterrestres ils m'ont tué aussi, s'il vous plaît? Réanimez-moi les extraterrestres! Et qui c'est qui m'a insulté là? Et tu me parles comme ça sur ce ton, tu vas voir toi! Ferme ta gueule, voilà, t'as que ça à faire! Père, t'as que ça à faire! Voilà, tu vas aller dans les serveurs troller les gens! La racaille au buffet! Vous allez crever! Zan, au secours! Sauvez-nous de cette racaille! T'es tout pisté! Depuis tout à l'heure, on a cramé ton vœu! Mais frère, voilà, c'est un youtubeur, je crois, ou je sais pas, mais voilà, c'est. C'est le youtubeur le plus infect de tous les temps. Déjà, évite de dire Wallah, s'il te plaît. N'invoque pas des conneries, s'il te plaît. C'est ta grand-mère. C'est un juif, là. C'est un culé de juif. Je sais pas, c'est qui. Respectez toutes les religions. Ouais, ta grand-mère. Ta mère la pute. Ta grand-mère la pute. Oui, c'est moi, ouais. Respectez les religions, les gars, respectez les religions. Je trouve sur ton camp. Quoi, t'es plus moins juif? Ouais, pourquoi? La vérité, moi, je suis un juif. La vérité, si tu continues à parler comme ça, je suis la tête de ma mère. Arrête. Sur la sinat, tu la pute. Ta grand-mère la pute. Moi, j'ai pas insulté les juifs. T'es content d'insulter les juifs, là, la compte ta race? Ferme ta gueule, je n'insulte pas les juifs, la compte ta race. C'est ça, tu m'as mal parlé. Respecte-moi. Je vais faire un signalement sur toi, tu vas voir, tu vas être banni. Vas-y, bah fais un signalement. Fais un signalement, tu nous as trollé, trop du cul. J'ai rien fait. On a été attaqué par des aliens, moi, je suis mort. J'ai pris une balle perdu. Alors, ferme ta gueule maintenant. Je n'ai absolument rien à voir avec les aliens. Nique ta mère, toi et tes potes. Pardon, vous avez dit quoi? Attends, comment c'est un nique ta mère? Nique ta grand-mère, attends. Toi et tes potes. Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu dis des choses que comme ça? Parce que t'es un vieux trimard, voilà, t'es un vieux trimard. Attends, monsieur, attends, j'ai 37 ans, ça fait 5 ans que je suis JRP. J'ai jamais vu une scène aussi éclatée avec vous. Je suis pas fier du serveur à cause de vous, je vous le dis. Voilà, je m'en bats les couilles, t'es un modeur du cul, t'as ça. Je suis pas un modeur, je suis mort comme ton regard. Frère, voilà sur Evo Live tu y étais, frère. Arrête de me prendre pour un con. Frère. Comment ça, cher modeur? Est-ce que tu me connais? Tu me connais pas? Voilà, je te connais, ta voix, je la reconnais. Ta grand-mère la pute. Alors, je suis qui comme youtubeur? Alors, dis-moi! Je m'en bats les couilles. Ça m'a dit que c'est un youtubeur. Tout le monde me dit. Sur la Sina, je te jure. Sur la Sina de Crété, tu vas voir. Ok. Vous savez qu'insulter les mamans sur internet. Vous respectez même pas vos darons, vos propres darons. Oh putain, mais arrête de dire ça, fils de pute. Ouais, c'est vous. Tu vois? Si t'avais une vraie daronne que tu respectes, tu serais jamais t'insulterais comme ça. Frère, avec des gens comme toi, comment tu veux qu'on soit normal? Déjà toi, fils de pute. Mais je n'ai rien fait, je jouais ma scène, je me suis fait agresser, regardez, je suis mort. Respecte ta daronne avant de parler des gens, fils de pute. Attends, je me revive, tu vas voir, toi je vais t'écraser en RP. Je vais te défoncer en RP, la tête de ma mère. Toi? Sur la vie de Tata Shushana, je vais terminer en RP, tu vas voir. Mais toi peut-être en RP, mais moi en vrai, je t'encule. Ah, parce que comme ça, t'es un homo, t'aimes bien les trous. Les trous de fion des hommes, c'est ça. Il a dit, je t'encule ta mère, espèce de vieux con. D'accord, tu veux enculer, tu fais. Alors, d'accord, tu fais de la pédiracie, sur des anus. Bref, s'il te plaît, Wallah. Si, vous savez, monsieur, que c'est interdit. Arrête de dire Wallah, ferme ta gueule. Arrête de dire ça. Tu me dégoûtes, j'ai envie de te cracher à la gueule. Comment c'est Rabbi Jacob? Tu respectes les rabbins. Respecte les rabbins. Nique lui son YouTube en disant des trucs intéressants. Non, c'est pas ça. Non. Attendez, j'ai ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Si je suis en train de faire une vidéo, s'il vous plaît. Respectez ma chaîne YouTube. Attends, s'il te plaît, si tu fais des vidéos YouTube que sur ça, genre en mode de troll et tout, frère, voilà, c'est infect. S'il te plaît, c'est pour ma chaîne YouTube, je suis en train de... Gros, les frérots, je vous explique. Attends, pourquoi tu fais pas, j'aime, je sais pas, je joue normalement, frère, je sais pas. Mais j'ai joué normalement, j'ai fait ma scène, tu vas commencer à m'agresser parce que je t'envoie une réplique.
Frère, tu te crois sur GTA Online, abuse pas, frérot. Mais ferme ta gueule, espèce de con. Est-ce que c'est moi qui t'ai agressé et tu m'as mis en joue? Bref, voilà, tu t'es là, tu te dis ferme ta gueule, je te parle normalement, ni bien ta mère la pute, c'est bon. Tu vois, voilà, tu es énervé. Même, tu vois, c'est un flagrant délit d'ego RP. T'es en ego. Alors moi aussi, je te parle normal. Pourquoi t'as pas tenu ta scène alors? Pourquoi tu m'as tiré dessus? Oh mais oh, t'entends tes propos. Je t'ai même pas tiré dessus. On s'est fait agresser par des aliens, espèce de con. Tiens ta scène. Je commençais à m'énerver. Pourquoi t'es énervé comme ça? Parce que tu mets la mort. Viens, tu sais quoi? On va prendre. Et on va voir si dans la vraie vie. Je suis sûr que dans la vraie vie, t'es un petit agneau. T'es tout gentil. Je t'invite à la PGW. J'aurai un petit stone. Oh, regarde, fils de pute. Je serai sur le stone des nouveaux. Tu veux? Je vais venir. Donne ton num. Vas-y, bah ouais, donne ton vrai num si tu fais le sub. 06. Et la PGW. C'est bon, monsieur. Écoute bien, fils de pute. Donne-moi une adresse si demain ta mère l'a plus. Mais tu vas rien faire. Regarde, une victime. Vas-y, donne une adresse. De monsieur les ennemis, vous entendez tous les propos? Je suis en pleine vidéo YouTube, ils sont en train de faire n'importe quoi et de faire des menaces. Ça peut aller très loin. Ah, ma joie! T'es dans un serveur privé, frère. Mais j'ai rien fait, vous êtes fait agresser par des aliens. Pourquoi vous en prenez à moi? Amis, ou c'est ton pote, tu... Mais non, j'ai rien à voir, je suis en vidéo YouTube, la compte ta race. Je reconnais ta voix, la putain de ta mère. Bah alors, je suis qui? Voilà, pourquoi tu. Casse pas ta souris. Casse ta mère. T'es qu'on va casser mon souris à cause de toi, fils de pute. Vous savez quoi? Je vais baisser mon front, je vais vous pisser dessus. Allez, c'est parti, y'a là. Allez. En plus, c'est quoi drôle, là. Et les gens, voilà. Je vais décaloter mon petit prépuce. Voilà, je suis pas circoncis. C'est des grands trous. C'est pas circoncis, mais ta mère, elle en a eu des circoncis dans la chatte. T'es le pire YouTube. Si t'es un YouTuber, t'es le pire. Voilà, c'est le pire que j'ai. Mais je suis un gros YouTuber. Et alors? Même t'es un gros YouTuber. J'ai 6000 followers. Je suis en train de buzzer. Dans sa tombe, quand il te regarde. Pardon? T'as dit quoi? Attends, t'as dit quoi? J'ai dit, pense à ta famille qui se retourne dans leur tombe. Mais tu penses pas ce que tu dis, je suis sûr qu'on se verrait dans la vraie vie, on prendrait un petit chicha. Non, non, je te mettrai une grosse claque. Un petit thé à la main. Écoute-moi, je te mettrai une grosse claque, je te ramène dans une cave, là. Ma mère, j'ai un gars de violer. Mais ça me déplairait pas. Est-ce que vous pouvez appeler mon collègue youtubeur qui s'appelle Choupa? Il aimerait ça aussi. Ivanor, viens. Bon, allez, je vais vous dire qui je suis. Je suis gros patapouf, le youtubeur, voilà. Allez, va chercher ma chaîne, tu vas commencer à me sucer. Tu vas voir le nombre de followers que j'ai. Tu vas commencer à me sucer. Le nombre d'abonnés, mais gros patapouf, regarde, tu vas voir. Gros patapouf. Attends, laisse-moi parler. Tu crois, frère, même t'as 1 million, je te pisse au cul, frère. Je peux pas aller. Tu vas rien faire, tu vas être comme tous ces petits à venir prendre une photo avec moi. Voilà, moi je prendrai jamais de. Ah, je te crois. Bon, vas-y, tu sais quoi, quitte ton HLM, allez. Quitte ton HLM, je te jure. Quitte ton HLM, je t'en crois. C'est quoi ces phrases? Sur Allah. Je vais t'enculer avec ton commentaire parabolique. Attends, sur Allah. C'est quoi ces phrases? Pourquoi ils sont comme ça, les mecs? Mais c'est. Les Arabes, on habite dans un HLM. Laisse-le, frère. Mais attends, juste dis un truc. Si c'est vraiment toi, hein. Voilà, je te crois, t'as vu, je vais te parler juste pour que je suis sûr que c'est toi. Sur Allah, je te dis. Bon, allez, c'est gros, pas ta pouce, je parle. Allez, c'est bon, je vous ai pranké. Allez, ça vous va? Pourquoi vous êtes énervé? Frère, arrête de faire des pranks comme ça pue la merde, frère. Mais pourquoi? Mais les gens, ils aiment bien. Mais je m'en bats les couilles, des gens, on va le faire ailleurs, frère. Mais pourquoi tu parles mal au nom des musulmans? C'est pourquoi tu dis des choses pas très bien? Pourquoi au nom des musulmans? C'est toi, frère, tu mets la mort. C'est toi, tu mets voilà, la mort. Voilà, ils ont dit, voilà. Tout ça, c'est... Voilà, le ramadan, il est cassé. Voilà, le ramadan, il est cassé. La compta. 1, 2, 3, stop les insultes et on parle calmement. Et arrête voilà, de voilà. Car voilà, tu vois, ton pote, il a l'air plus intelligent. Il n'y a pas de plus intelligent. C'est juste que tu mets trop la mort. Regarde, il est en train de frapper. Il est en train de frapper son tapis de souris. Regarde, tu vois, ça m'énerve. Respecte le tapis de souris, s'il te plaît. Donne ton nom, donne ton vrai nom. Ton nom, d'accord. Ton vrai nom. Mon vrai nom, je m'appelle Yanis Abitbol. Suce ma bite, fils de pute, donne-moi ton vrai nom. D'accord, écoute bien. Serge, Boulboul. T'es pas un homme. T'es pas un homme, pas écoute bien. Il a que ça à faire, venir casser les couilles à tout le monde. Laisse-nous jouer tranquillement. Écoute bien, regarde, oui. Pourquoi tu dis que je suis juif? Et pourquoi ça te pose un problème que je sois juif? Ouais, ça me pose un problème, t'es juif. Regarde, je suis en train de faire le moonwalk, regarde. Je suis en train de faire le moonwalk sur ton HLM, regarde. T'es pro-israël, fils de pute. T'es un raciste. Et je t'encule ta mère. Tu vois des gens comme toi là, je les fais. Et ouais, voilà, frère. Mais à chaque fois, vous avez des paroles, mais vous ne faites jamais les actes. À chaque fois, vous dites frère, ta mère, sur Evo ta mère, Life, si je sur jamais. Evo Life. Si tu sur Evo Life. Attends, sur Evo Life. Je vais te présenter ma maman, tu vas rien faire. Tu vas t'agenouiller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Mais c'est la jungle d'internet, frérot. Pourquoi tu es. Je connais les quartiers, j'étais dans les cités comme vous. Je parle comme vous, regarde. Wesh ma gueule, yalla. Fils de pute.
Oh, y'a des gens, ils habitent à côté de toi, ils parlent comme ça. Ça veut pas dire qu'on est d'une cité que les gens ils parlent comme ça, espèce de fils de pute de. Mais oui, mais ça se voit que t'as pas fait d'études, c'est pour ça que je dis ça. Sur la vie de ma mère, j'ai fait plus d'études que ta mère, la pute et toute ta famille. Mais alors, t'es en quelle classe? J'suis en alors... classe, fils de pute. Oui, j'ai 25 ans et je suis agent immobilier, espèce de fils. Agent immobilier, ouais, c'est la classe, c'est un BTS. Ouais, j'ai un BTS, je t'encule ta mère, fils de pute. Donne-moi de l'argent. Oui, on va, ne t'en fais pas. Rien, moi, va... Alors, déjà, excuse-toi non, déjà auprès de toute la communauté juive, ok? Excuse-toi déjà. Bah, excusez-vous auprès de la communauté arabe. Oui, je m'excuse auprès de la communauté des arabes. Attends, tu me lâches. Ok, Ivanor, tu vas nous suivre encore. Je m'excuse auprès de la communauté. Non, la limousine, monsieur, la limousine. Elle est faite pour ça. Ah, ouais, ouais, venez, venez. Attends, laisse-moi. Attendez, répétez un peu. Juif. Voilà, bah tu vois, je sais très bien y faire avec les gens comme vous. Je sais qu'avec un minimum d'éducation, vous pouvez être des personnes remarquables et des personnes très bien élevées. Monte dans l'hélico là, on y va. Monte dans l'hélico là. Bon, bah, putain, mais pourquoi nous? Wallah, c'est ça. Mais je comprends pas. Mais on est sur Zaba, les 12 personnes qu'il y a. En fait, on a déjà fait les 12 personnes d'avant. Je sais qu'on a déjà fait des scènes avant, en fait, les gars. On a déjà fait tout le monde avant toi, c'est pour ça qu'il y avait que toi. Bah, on a fait la meilleure scène alors, nous. Ah, ouais, par contre, t'étais le meilleur. Ouais, voilà. Chalakha. J'avoue, vous êtes des vrais, les mecs. Franchement, c'est bien. Vous allez nous suivre, mesdames et messieurs, venez. Ah, ok, bon, vous suivez. Ça va pas marcher, moi. Non, c'est bon. Je veux bien subir. Ah, vous vous calmez, monsieur Kizozotlan. Ah, voilà. D'accord. Avancez, monsieur. Suivez mon collègue. Ah, vous voulez qu'on descende en rappel, c'est ça, il y a un câble. Ouais, venez, c'est là-bas, sur moi. Ah, il y a une belle vue, surtout. C'est le Pacifique, c'est l'océan Pacifique, ça se reconnaît. D'accord, ce sont les remontées mécaniques. Ah, vous voulez qu'on s'amuse à faire du ski, mais il n'y a pas de neige, monsieur. Ah, oui, merde, j'ai pas calculé ça, moi. Mais comment? Monsieur, s'il vous plaît, on va coopérer, s'il vous plaît, monsieur, ne le faites pas de mal. C'est bon, ils ont compris la leçon, on a compris la leçon. On le sait décider, monsieur. Oh. Mais non, mais non. Non, pas lui, non, pas lui. Mais oh, laissez-moi sauter de mon plein gré au moins. Et avec mon honneur. Laissez-lui son honneur. Moi aussi je vais sauter avec mon honneur. Vous en faites pas, comme on dit souvent. Vive Algeria! Moi j'ai mon honneur! Daniel Jadair! Et quel meilleur jeu! Oh non! Oh le roulé-boulé! Oh le roulé-boulé! Eh mais il faudra revenir là-bas! Mais c'est énorme!